Un jour en sautant de ma toile, j'ai vu une bête énorme avec des poils sur la tête. Elle s'est mise à hurler et puis m'a pourchassé avec son balai. Heureusement que j'ai 8 pattes et 4 paires d'yeux sur la tête. Il y a des jours où ça m'épate, je me dis que la vie elle est bien faite. La arachnophobie est une sorte de folie et c'est pas bien joli de faire du mal à un petit animal, c'est mal. Je galopais le long du mur, cherchant un trou, une fissure. À mesure qu'elle se rapprochait, je sentais le sol qui tremblait. Pour moi, il y avait un espoir de l'autre côté du miroir. Et je suis allé m'abriter juste derrière son reflet. La arachnophobie est une sorte de folie et c'est pas bien joli de faire du mal à un petit animal, c'est mal. Quand la bête vit son image, elle découvrit avec horreur les traits tordus de son visage, tout déformé par la terreur. Mais pourquoi donc a-t-elle si peur? Me dis-je, que je l'approche, que je la touche, mais je tends l'air d'un prédateur, moi qui ne fais le mal que mouche. Oh, la riche, les mouches. Elle avait peur des araignées, elle aurait voulu l'écraser, mais à la vue de son reflet soudain, elle était désarmée. Oui, car pour se remaquiller, elle avait lâché son balai, et l'araignée qui était futée en a profité pour filer. Elle avait peur des araignées, elle aurait voulu l'écraser, mais à la vue de son reflet soudain, elle était désarmée. Oui, car pour se remaquiller, elle avait lâché son balai, et l'araignée qui était futée en a profité pour filer. Laisse à toi.